1991. 1991, c'était tout de même une année qui puait sacrément, quoi. Si vous regardiez les événements majeurs sur le globe, ça pétait un petit peu de partout, quoi. Tout le monde se mettait sur la gueule. C'était n'importe quoi. Et tant qu'à être une année catastrophique, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'en suis arrivé à vendre, à revendre mon premier jeu Neo Geo. Oui, parce qu'un jeu Neo Geo, quand tu l'as acheté, normalement tu le gardes, vu le prix que ça coûte. Bah là non. J'ai revendu mon premier jeu Neo Geo et c'était Ghost Pilots. Mais tout de suite, je vous fais voir en fait, ce sera plus simple. Comment ça, le son est un petit peu faible? Bah, il va rester faible. Alors pourquoi j'ai revendu mon Ghost Pilots? Bah, ça commençait bien. Il y avait du beau sprite, comme la console savait les gérer. C'était animé comme il faut. Il y avait des vaisseaux de bonne taille. Quand soudain, The Drame. Tu ne veux pas nous faire voir une démo, tu remontes à ce point-là? Tu te rappelles de moi? Donc on n'a rien d'autre qu'une ressucée le cul entre deux chaises qui va piocher sur 1945 ou 1942 ou 1943 ou 1944 même et qui va aussi piocher un petit peu sur Raiden ou Raiden 2 ou Raiden DX ou Raiden... Bref. Niveau originalité, on n'est pas trop servi. Alors on se dit, pourvu que ce soit super bien fait. Et c'est là que le drame commence. Donc, the pew pew pew. Allez-y, jeune homme. Voilà, ça fait pas mal. Oui, il faut appuyer souvent, hein, sinon ça part pas. Il n'y a pas d'auto-fire. Et The Baum. Donc une bombe à effet de zone. Qui est pas super super. Et on pouvait changer juste son aspect, quoi. Ça changeait rien à l'efficacité de la bombe. Alors, comme je vous l'ai dit, les sprites sont de bonne taille. C'est sympa. Mais ça fait pas tout, les sprites, fait. Et donc, à partir de là, on découvre que le jeu va s'engager sur une longue quête de la non-innovation. C'est-à-dire, oui, il va faire comme les... Oh là là, Lightbox. Je me rappelle plus. C'est pas drôle. Mais il va faire que reprendre les recettes qu'il a piochées ailleurs. Oh mais... Frag et quoi... Je vais décidément pas arriver à parler en même temps sur ce jeu. Et donc il fait que repiocher ce qui existe déjà à droite à gauche, et sans apporter quoi que ce soit, pas une once d'originalité, que dalle quoi. Et quand je dis pas une once d'originalité, observez bien les patterns, puisque, oh surprise, au deuxième tableau, si les sprites changent un peu, les patterns eux vont rester, et personne n'est dupe. Ça commence très très mal. Oui, je l'ai plus en mémoire, j'ai décidé de vider ma mémoire après ce jeu. J'ai fait non, mais tu vois les quelques neurones utilisés pour mémoriser ce jeu, tu vides, ça servira pour un autre. Alors, est-ce que je ne l'aime pas et que je vais le saquer parce que c'était un shoot que j'aimais pas et que voilà, que j'ai revendu? Non! C'est qu'il est vraiment pas terrible, le bougre. Il n'est pas glamour, il n'est pas sexy, il n'est pas si vif que ça. C'est surtout les déplacements de votre avion qui sont emmerdants parce qu'ils sont super longs. Enfin, ni longs, ni rapides, mais voilà, c'est ça. En fait, ce jeu, c'est ça. C'est le médian intégral de tout. C'est ni bon, ni mauvais. C'est ni long, ni rapide. C'est ni dur, ni facile. Mais du coup, on s'y ennuie, quoi. Je me jette sous les boulettes, c'est plus intéressant. Alors oui, les gens qui l'ont jamais vu vont faire « Bon, si tu es méchant, monsieur K, regarde ça, de la gueule, t'arrêtes pas de te planter en plus. » Mais je vous garantis que c'est un shoot plus à mémoire qu'à réflexe, quoi. Donc du coup, c'est un peu tristouille. Oui, tristouille. Donne-moi ça, t'as... Ah
C'est tragique quand on suit la trajectoire d'une balle et qu'on essaie de fuir, mais que la balle ne zigzague pas, alors qu'on pourrait le faire soi-même. Non, je ne marque pas de nom, je n'ai aucune fierté. Oui, je continue car il faut que je fasse voir ce jeu, je pense pas qu'on ait fait les 5 minutes. Quoi? C'est quoi ces signes en régie? Arrête tout, t'as fait les 5 minutes? Non, 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 regarde, il y a un boss. Alors je vous présente le boss le plus radical du monde. Il arrive, il vous balance le lance-flamme et c'est réglé. J'ai balancé ma bombe, mais je suis mort pendant ce temps en plus. Alors, on sait pas trop quand faut rester dessous, quand faut pas rester dessous, c'est un peu compliqué. Et puis la hitbox fait 25 km de large. Je le refais voir, parce qu'il faut que vous voyez au moins jusqu'au deuxième boss pour comprendre. Pour comprendre la tragédie de ce titre. Le pire étant bien entendu que bah, je remettrai le cover à la fin de la présentation. Le cover était classe. C'est ça le pire, quoi. Donc tout était là pour vous faire envie. Mais une fois pas dans main, grand vide. Et du coup j'ai pas fait voir les... Si j'ai fait voir les bombes. Ce sont pas super. Donc les bombes à effet de zone c'est quand même gênant. Ça veut dire que vous devez être assez proche des ennemis qui vous ennuient vraiment beaucoup. Cette hitbox, je vais pas pouvoir. Je suis désolé, je vais pas pouvoir. Je pense que ça sera le titre de ce stream d'ailleurs. Un jeu massacré par la taille de sa hitbox. Dans les faits divers de 1991. On n'ira pas. On n'ira pas jusqu'au truc. On n'ira pas jusqu'au deuxième tableau. Et alors, la stupidité, enfin, du gars qui a dit bon mais on va pas mettre un auto-fire sur ce titre. J'aimerais l'avoir en face quand même pour lui soumettre mon projet qui se fasse Harakiri. Parce que c'était d'une bêtise. Ce jeu avait besoin d'un auto-fire. Vous voyez le pad de la Neo Geo comme il est gros? Vous entendez le boucan que faisaient ces boutons à l'époque? Eh ben, imaginez sur ce titre. C'est autre chose que le petit pad Xbox que j'ai entre les mains et qui fait un tout petit bruit en comparé. Donc oui, il n'y avait pas d'amour en 91 sur ma Neo Geo, quand j'ai mis cette cartouche dans la console. Et il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Je repose mon pouce là, je passe pas au milieu. Mais non, il est pas content. Ne l'ennuie pas, ne le contrarie pas. Je vais te bomber ta gueule, toi. T'as envie. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire. Et il va descendre. J'avais dit, hein, personne n'écoute. Donc oui, c'est méchant à dire, mais si vous voulez connaître le pire shooter qu'il y avait sur Neo Geo, c'est bien celui-là. Bon, il pourrait y avoir encore pire. Il pourrait y avoir un truc laid, injouable, avec de l'audio foiré et tout. Oui, certes. Et je pense que c'était combien?
Elle était à 2800 francs la cartouche, si je dis pas d'ânerie, et encore 2800 francs quand on l'a chopé avec les bons plombs pour se faire enlever la taxe. Oui, parce que c'était surtaxé ces choses-là. Et il y avait 30% qu'on se mangeait dans les dents à l'import. Mais du coup, oui, vous l'aviez un petit peu en travers quand même, vu le fun du titre. C'est jour de fête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça a été mon moment de gloire dans le jeu, là. Et je pense pas que ça va durer. Vas-y, tire, 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 tire. Petit fourbe, va. Non. On verra jamais ce boss. Et j'y vais de manière radicale parce que... Fais-nous voir ton boss. Vite. Plus vite encore. Donc là, pareil, originalité, tout ça. Dans... Non, je ne sais pas. Je connais pas ces endroits-là, madame. J'ai jamais visité. Aïe, aïe. Donc, aucune originalité. Beaucoup de mollesse. Du fun qui n'est pas trop là en fait. Donc on avait un produit bien fait mais sans âme. C'est exactement ça le problème de ce Ghost Pilot. Allez, vivement le game over qu'on arrête tout ça. 12 minutes pour ce jeu, c'est bien trop long. Oui, alors on peut peut-être choisir le niveau, mais, hein, c'est pas ça qui va me rendre plus joyeux, je pense. Faudrait que je fasse une copie de générique. Pour ce stream-là, tout particulièrement. Un générique d'intro avec un mix, ça serait le Angry Vidéo Nerd du grenier. Ça irait très très bien. Casse-toi, crétin de mime. Je suis là, non, je suis plus là. Ah, la petite praline lâchée en douce, c'est vraiment le truc qu'on n'aime pas, ça. Et ces bonus qui se baladent à perpète. Pour vous faire faire la connerie ultime de vous jeter sous un tir, pour le ramasser, c'est quand même... ils auraient mieux fait de faire un jeu plus vif. C'est le fameux Jean-Michel. Le jeu de Jean-Michel. Jean-Michel Apathy. Sympathie? Non, Apathy. Ah si, Apathy, y'a plus là. Ouh là 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 là, oui on est dimanche, j'ai le droit. Je vous rappelle que quand j'enregistre un stream et que ça tombe un dimanche, j'ai le droit à tous les jeux de mots les plus pourris du monde. Le calvaire ne s'arrête plus. Que se passe-t-il?
C'est sorti tout seul, hein. Non. Mais vraiment, sans façon. On va y aller là, je vois mon bus qui s'éloigne. Peut-être en courant, je pourrais le rattraper, ça serait une chance. Ghost Pilot, tu n'es pas dans les top jeux, bien entendu. Mais la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que t'es même pas dans les sélectionnés, mon ami. Donc, adieu. On a beau être développé sur Neo Geo, on peut être un veau. Ce sera le dicton du jour avec les deux playlists habituelles et le bouton d'abo. A tout bientôt, les amis. Ciao. Le vidéo en greener du grenier. C'est pas mal comme concept, ça. Je pourrais faire des émissions.